Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai passé la barre des 400 abonnés et pour fêter ça, je vous avais demandé il y a quelques temps de me poser vos questions avec le hashtag EvilFAQ. Du coup c'est le moment pour moi d'y répondre en vidéo. Donc la première question, t'as quel âge, quel est ton prénom? Alors bah c'est très simple, je m'appelle Raphaël et j'ai 27 ans. Qu'est-ce qui m'a poussé à créer cette chaîne YouTube? C'est qu'en fait, il y a quelques temps, je cherchais des vidéos sur Splatoon et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas, ou très peu, en tout cas pas à ma connaissance, de vidéos 100% Splatoon en français. Il n'y avait pas de chaîne YouTube dédiée à ça avec des astuces et des let's play. Il y avait évidemment plein d'autres YouTubeurs qui font du Splatoon mais qui font pas que ça. Et du coup, je me suis dit que ça manquait un peu. Et je me suis dit, bah pourquoi pas créer ma propre chaîne sur ce sujet. En plus, j'avais en tête différentes petites astuces que je voulais partager, et du coup, je me suis dit que c'était un bon moyen de les diffuser. En particulier, certaines astuces que j'avais vues nulle part ailleurs et que je trouvais qui étaient intéressantes. Alors, pourquoi j'ai commencé YouTube et dans quel but? En fait, j'ai pas commencé YouTube par Splatoon. Ça fait plusieurs années que j'ai d'autres chaînes YouTube par ailleurs sur lesquelles je mets des vidéos un peu plus personnelles de mes vacances. C'est-à-dire que je fais de la photo et de la vidéo à côté, du coup je mets des vidéos dans un tout autre registre. Voilà, donc en fait ça fait plusieurs années que je fais de la vidéo et c'est pour ça que faire des vidéos sur Splatoon, ça paraissait couler de source. C'est-à-dire que j'aime faire des vidéos, j'aime Splatoon. Je me disais que c'était un bon moyen de combiner les deux, ce serait quelque chose qui me plairait. Est-ce que je ferai des vidéos sur d'autres jeux? Alors, comme je vous ai dit, à la base j'ai créé cette chaîne pour faire une chaîne 100% Splatoon. Du coup, j'ai pas prévu de faire d'autres jeux. Après, la question se posera le jour où Splatoon sera plus trop d'actualité. Bon, je sais pas trop ce que Nintendo a de prévu pour les prochains jeux, mais bon, évidemment, un jour le jeu s'épuisera, il y aura beaucoup moins de joueurs, beaucoup moins de gens intéressés par les vidéos. Du coup, soit j'arrêterai tout simplement la chaîne, soit je passerai à un autre jeu, je sais pas. Faut que ce soit un jeu qui me plaise autant que Splatoon, et honnêtement, pour tout vous dire, c'est difficile parce que Splatoon, c'est vraiment un jeu qui me passionne. J'ai jamais été un gros gamer par ailleurs, mais c'est vraiment ce jeu-là, c'est Splatoon qui m'a donné envie de faire des vidéos, tellement le jeu est riche d'informations et qui mérite d'être partagé, et tellement il y a une grosse communauté de joueurs qui jouent ensemble. C'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'on joue tous ensemble, on ne joue pas chacun dans notre coin. Ça fait une expérience de jeu commune et je trouve que c'est très intéressant pour faire des vidéos. Comment j'ai connu Splatoon? En fait, en me renseignant sur les actualités Nintendo, j'avais vu qu'il sortait un jeu de peinture. Pour tout vous dire, au début, j'étais pas trop emballé quand j'avais lu un peu de quoi il s'agissait. Peindre, enfin, d'histoire de mecs qui se transforment en calamar, se taper dessus à coups de peinture. Je trouvais ça un peu bizarre, du coup j'ai mis pas mal de temps avant de l'acheter. Je pensais pas l'acheter d'ailleurs, et en fait, en août... Je me suis dit pourquoi pas, après tout, j'en avais un peu marre de Mario Kart et du coup j'ai acheté ce jeu. Ça a été un peu la révélation, voilà, le jeu m'a plu tout de suite quoi, et depuis bah. Enfin, je m'en lasse toujours pas quoi. Alors qu'au contraire, Mario Kart, même si c'est un jeu qui me plaît beaucoup, c'est l'autre jeu auquel je jouais beaucoup sur la Wii avant, bah aujourd'hui je m'en lasse un peu parce que bah, les maps c'est toujours les mêmes et finalement même si on joue avec des joueurs différents à chaque fois l'expérience de jeu est un peu toujours la même, ce qui est pas tellement le cas dans Splatoon en particulier vu qu'ils ajoutent du contenu régulièrement, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc pourquoi le pseudo Evil Squid? En fait, au moment où je me disais que je pouvais créer une chaîne, j'étais en train de créer un nouveau personnage et du coup je recommençais du début et j'étais pas encore au courant de l'astuce numéro 1 que j'ai mis sur la chaîne, c'est-à-dire faut-il jouer agressif en guerre de territoire. Du coup j'avais un personnage niveau 1, 2 et je jouais très agressif en me disant bon je tue tout le monde comme ça je vais augmenter vite de niveau, et en fait c'est pas du tout le cas, et c'est là en faisant ça je m'en suis rendu compte. Et parallèlement à ça j'étais justement du coup en train de tuer des débutants tout le temps tout le temps tout le temps, et un peu ironiquement je me suis dit mais en fait je suis vraiment un salaud quoi, je tue des débutants sans arrêt, et du coup je trouvais ça marrant le concept d'une vidéo de... Enfin, de faire une vidéo où un joueur passerait son temps à tuer des débutants qui commencent le jeu, qui viennent à peine de l'acheter et qui sont pas encore très bons. Et du coup, je me disais, ce serait marrant de créer une chaîne d'un joueur très méchant comme ça. Et c'est pour ça, sur cette idée-là, j'ai créé le nom Evil Squid. Après, c'est vrai, j'ai pas fait de vidéo de ce genre.
Je me suis dit que sûrement que tout le monde le prendrait pas bien. Après, voilà, si jamais vous, vous avez envie de voir ce genre de vidéo-là, je sais pas si ça vous intéresse, mais si jamais ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Peut-être que j'en ferai quelques-unes, si je vois que vous êtes plusieurs à le demander. Mon ou mes jeux préférés et pourquoi? Alors bah je pense que le numéro 1 ce sera Splatoon, qui en ce moment c'est le jeu qui me prend tout mon temps. Pourquoi? Bah je pense que si vous suivez tous cette chaîne, vous savez sûrement pourquoi, hein, et c'est un très bon jeu qui se base sur un principe très simple et qui pourtant est parfait quoi. Après, en termes d'autres jeux, il y en a quelques autres qui me plaisent, comme je disais, je suis pas un gros gamer, mais il y a quelques jeux qui sont pour moi des chefs-d'œuvre. En particulier BioShock Infinite. Si vous connaissez pas ce jeu, c'est un très bon FPS sur PC. Il existe sur d'autres plateformes, je sais qu'il existe sur PlayStation. Il doit possiblement exister sur Xbox aussi. C'est un très bon jeu, le scénario est parfait, les graphismes sont parfaits aussi. C'est vraiment, si vous y avez pas déjà joué, jouez-y et finissez-le, c'est vraiment une tuerie. Sinon, j'aime bien aussi Portal, en particulier Portal 2. Même si je joue pas souvent, de temps en temps j'aime bien y rejouer. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et il y a un troisième jeu que j'aime également beaucoup sur PC qui s'appelle Stanley Parable. C'est vraiment un jeu what the fuck. Je vous en dis pas plus. Ça, il coûte pas très cher sur Steam si vous voulez découvrir un jeu un peu différent des autres. Achetez-le. C'est en quelques heures vous le finirez, mais c'est vraiment des barres du début à la fin. Quelles sont mes armes préférées et quelles sont les armes avec lesquelles je joue le plus? Alors, quelles sont mes armes préférées? Vous devez l'avoir vu dans mes vidéos. Voilà, je suis allé sur le site internet Splatnet. C'est très pratique si vous connaissez pas, ça vous montre un peu le classement des armes avec lesquelles vous avez plus joué. Donc on y retrouve le liquidateur junior en première position parce que en fait j'ai beaucoup utilisé cette arme quand j'étais débutant et je l'ai lâchée très tard. Le calibre 2000 que j'utilise beaucoup en match pro, ainsi que le liquidateur griffé que j'utilise aussi énormément en match pro. Après on retrouve l'aérogun. Que j'utilise maintenant principalement en guerre de territoire pour faire des scores énormes. J'aime bien aussi le rouleau griffé, que j'ai aussi pas mal utilisé pendant une période, puis j'ai un peu laissé tomber, et le concentrateur zoom, que j'utilise régulièrement en particulier pour mes vidéos de progression au sniper, même si là, en fait, ce classement... Les jeux que je fais de vidéos d'entraînement au sniper apparaissent pas ici, hein, parce que je le fais avec un autre compte, du coup ça apparaît pas dans ce classement. Donc ça c'est les armes que j'utilise le plus et que du coup bah j'aime aussi le plus, hein. Mais il y a quelques armes que j'utilise finalement très rarement et que j'aime beaucoup. C'est le rouleau carbone, les pinceaux brosses nuancés et le sauceur. Je trouve que c'est trois armes qui sont très bien équilibrées en termes de armes principales, armes secondaires, armes spéciales. Je trouve que c'est une combinaison très bien pensé, et voilà, c'est trois armes que j'utilise peu parce que je suis pas hyper bon avec, mais qui je trouve ont un intérêt certain. Est-ce que pour mon prochain match privé, je pourrais faire des parties de cache-cache? Alors, c'est quelque chose que j'aimerais faire une vidéo de cache-cache sur Splatoon. Le problème, c'est que si je fais ça en match privé, ça veut dire qu'il faut vraiment prévenir les gens parce que si je fais juste une session privée sans Skype ou sans Discord et que tout le monde s'y connecte, bah personne va comprendre que c'est une partie de cache-cache et tout le monde va se tirer dessus. Du coup, pour organiser ça, faut vraiment s'y préparer à l'avance, contacter les gens, etc. Donc c'est un truc un peu compliqué à faire. J'en ferai peut-être une, mais voilà, je peux pas créer une session comme ça random et faire un cache-cache sans prévenir à l'avance quoi. Donc il y aura sûrement une vidéo de cache-cache. Après, je pourrais pas en faire avec tout le monde quoi. Pas comme les sessions privées dans lesquelles le site permet de jouer avec un peu tout le monde. Les cache-cache, ça me paraît difficile à faire. Quelle arme me conseillerais-tu pour progresser en match pro? Alors moi j'ai beaucoup progressé en match pro quand j'ai commencé à utiliser le calibre 2000. Donc bah, pour quelqu'un qui le connaît pas encore, je conseillerais de l'utiliser. Après, toutes les armes sont bonnes à jouer à partir du moment où on sait les utiliser. Mais le calibre 2000 pour moi est une très bonne arme parce que elle tue en deux coups. Et je crois que c'est l'arme qui tue le plus rapidement dans le jeu. C'est une arme très défensive grâce au mur d'encre, donc il y a moyen de pas trop se faire tuer en retour. Et du coup,
C'est pour moi une très bonne arme pour le rang et en tout cas pour débuter en match pro. Est-ce que je fais des lives? Non, j'en ai pas encore fait. J'en ferai peut-être un jour. Mais c'est pas prévu. Honnêtement, je sais pas encore comment ça marche sur YouTube ou sur Twitch. J'ai jamais cherché à m'y intéresser. Peut-être que j'en ferai, mais après, c'est vrai que durant un live, du coup, bah, il y a que les gens qui regardent le live qui voient la vidéo. C'est-à-dire, en gros, si je faisais un live aujourd'hui, il y aurait peut-être 10 personnes qui le regarderaient en temps réel. Et après, au final, bah, je mettrais la vidéo sur la chaîne et. Enfin, ça changerait pas grand-chose, mis à part que vous pourrez mettre des commentaires durant que je joue. Ça a un intérêt, mais disons que je pense que c'est un peu tôt sur la chaîne pour en faire. Est-ce que j'ai les amiibo Splatoon? Oui, j'ai les trois. J'ai acheté les trois amiibo que voici. Mais si c'était à refaire, honnêtement, je le ferais pas parce que finalement, ça coûte assez cher et ça rajoute pas grand-chose. Bon, ça rajoute un peu de mode solo, ce qui est pas mal. Mais bon, une fois qu'on a fait tous les mondes en mode solo, bah, j'ai pas eu l'envie de les refaire, quoi. Et ça donne des équipements en plus, enfin, et des armes en plus. Mais finalement, c'est que des rééditions d'armes qui existent déjà. Et vu que je suis pas tellement attaché aux skins dans Splatoon, ça a pas changé mon expérience de jeu, quoi. Donc si c'était à refaire, je le referais pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien collectionner les amiibo. Pour ma part, c'est pas trop mon cas. Voilà, mais je les ai. Quand Splatoon n'était pas sorti, est-ce que j'avais joué à la démo? Non, tout simplement. Quand Splatoon n'était pas sorti, je ne savais pas que Splatoon allait sortir et je m'étais pas du tout intéressé. Est-ce que je vais faire des sessions de matchs privés avec les abonnés, tous les 200 abonnés? Alors, non. Jusque-là, j'en avais fait tous les 100 abonnés, mais comme je disais dans une précédente vidéo annonce, je vais pas pouvoir en faire à chaque fois. Là, je vais en faire une pour les 500 abonnés. Je peux pas donner un nombre d'abonnés à l'avance pour lesquels je vais faire un match privé. Si ça augmente d'un coup, je veux pas faire des promesses que je peux pas tenir. Donc, ce sera vraiment au jour le jour, je déciderai si je fais un match privé. Donc le prochain, ce sera pour les 500, vous êtes prévenus. A priori, si ça se fait, ce sera sûrement le week-end prochain, du coup. Si je passe aux 500 d'ici là. Voilà, je pense avoir répondu à peu près à toutes vos questions. N'hésitez pas à en poser d'autres en commentaire, toujours avec le même hashtag, hashtag EvilFAQ. J'y répondrai dans une autre vidéo FAQ, un de ces jours. Donc, j'essaye de toute manière de répondre à vos questions aux commentaires des vidéos. En général, si c'est une question qui est relative à la vidéo, j'y réponds tout de suite. Si c'est une question d'ordre général, n'hésitez pas à mettre ce hashtag-là, comme ça j'y répondrai en vidéo. Voilà, ça m'évite aussi du coup de répondre aux questions quand elles sont posées plusieurs fois en commentaire, ce qui est courant. Comme ça, je réponds une fois pour toutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore pour être 400 à me suivre, ça me fait très plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!